Mais parce que c'était la sorcellerie et que Daniel était un prophète, leur sorcellerie est tombée sur eux-mêmes. La nuit, Daniel a passé dans la fosse des lions. Le matin, il est sorti de là. Pendant que lui sortait, eux, ils entraient. Amen. Avec leurs femmes, leurs enfants, leurs histoires. On les a ramassés avec nous, on les a jetés dans la même fosse qu'ils avaient écrite pour Daniel. Amen. Même histoire qui s'est passée dans la vie des amis de Daniel. Le feu là a été inventé par les sorciers pour brûler seulement ceux qui aiment Dieu. C'est pourquoi ils sont venus avec une loi bizarre là, que tu dois t'agenouiller devant un morceau de bois. Et ils ont dit, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes des juifs. On s'incline devant rien. Ils ont refusé de s'incliner. La sorcellerie, elle vient pour te faire incliner. Et des fois, quand ces choses-là dépassent, les gens s'inclinent. Les gens s'inclinent comment? Il y avait un frère. Il était dans une église. Il a essayé dans l'église, il a essayé de chanter, parler en langue, ça n'a pas marché. Il a dit à un frère là, oh les choses ça ne marche pas pour moi, comme ça, ah si ça ne marche pas, je vais t'amener quelque part. Il a mené voir un papa là, marabout l'histoire. Son parti là, quand le marabout les a vus, il a dit, toi attends, il a appelé son ami, il a dit, pourquoi tu l'as amené celui-là ici? Il a dit, oh il a dit que ça ne va pas, sa vie ça ne va pas, comme ça. Il a dit que non, tu ne peux pas l'amener, les gens là, moi je ne les aime pas chez dans ma maison, ils peuvent abîmer mes histoires. Tu dois lui dire de partir. Oh, moi je l'ai mis, moi je ne vais pas le dire, toi-même va le dire. Le marabout est sorti, parce qu'ils ne l'ont même pas laissé entrer. Le marabout est sorti pour lui dire que toi, tu ne peux pas entrer dans ma maison. Il dit que pourquoi papa, j'ai besoin des histoires pour que ça aide ma vie. Non, avec ce que tu as en toi là, tu ne peux pas entrer, tu risques d'admettre l'histoire dans mon histoire ici. Rentre là où on t'a donné ce que tu as là, qui vont te donner la solution à ton problème. Le frère avait le Saint-Esprit en lui. Le marabout avait le Saint-Esprit. Mais lui-même, il avait le Saint-Esprit, il pouvait même parler. Donc, tellement que les troubles et la sorcellerie de sa famille l'a bloqué pour voir qu'il avait le Saint-Esprit en lui. Il voulait partir chercher la sorcellerie. Lui, par la grâce du Seigneur, on l'a laissé. Mais dans d'autres histoires, le marabout va te faire des histoires pour que le Saint-Esprit puisse partir, en fait, qu'il puisse bien te manger. C'est ce qui s'est passé dans l'histoire de Balaam. Balaam est venu. Il a vu qu'il y avait Dieu en Israël. Il a essayé de maudire Israël. Il a dit que non, on ne peut pas maudire. Mais quand il est parti, c'est dans le livre maintenant des révélations qu'on nous dit ce que Balaam avait fait. C'est lui qui avait donné les mauvaises idées aux autres, à ses ennemis-là, comment faire tomber Israël. Il est parti, il a dit que non, je ne peux pas maudire. Mais il a dit, si vous prenez vos enfants, vos filles, allez donner là, ça va marcher. C'est ce qu'ils étaient venus faire. Maintenant, c'est seulement. Donc, l'histoire est arrivée, si c'est dans Exode, Deutéronome. Non. C'est dans Révélation qu'on nous dit ce qu'il avait fait. Il a prêché la sorcellerie au roi pour que le roi puisse prendre ses filles, aller donner aux garçons d'Israël. Et quand les enfants d'Israël avaient fait ça, le feu de Dieu était sorti pour les brûler eux-mêmes. Donc, ça veut dire quoi? La sorcellerie a enseigné de mauvaises choses qui a produit un feu pour brûler les enfants de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit, tu ne laisseras pas vivre le sorcier, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. C'est un démon qui te tire et toi aussi tu es sérieux le jour que tu le tires. Tu te mets debout, je suis enfant de Dieu, tu m'as tiré pendant des années, c'est à mon tour de commencer à te tirer. Tu commences à tirer. Tu commences à tirer, tu tires, tu regardes, vous êtes d'abord debout, ok. Pa, debout, pa, jusqu'à ce qu'ils tombent. Pourquoi? C'est la même chose que eux aussi font. Ils sont en train de te tirer, bien calculé, bien mesuré, et puis en te regardant, non, il est encore debout. Tout. Ah, il est encore debout. Tout. Il te tire et il regarde. Il n'y a pas de hasard qu'on jette seulement et peut-être ça va toucher. Non. Ils sont en train de te tirer. Ils regardent. Ils ont attaqué ton travail. Ils ont attaqué ta compagnie. Et ils savent le nom de ta compagnie, la compagnie qu'ils attaquent. Si tu as quatre compagnies, c'est que non, on va commencer avec la compagnie qui est sur Paris. Et puis après, on va aller pour la compagnie de Marseille. Et puis la compagnie de Lyon et la compagnie au pays. Ils attaquent bien, en sachant qu'est-ce qu'ils attaquent. Et à ton tour, quand tu vas ouvrir ta bouche pour prier, tu dois prier en bien tirant.
Parce que des fois, on prie, ça part à gauche, ça part à droite. C'est dans la Bible où on nous dit que vous priez, puis vous priez mal. Pourquoi? Parce que tu as prié, c'est parti. Tu as dit mal, tu as tiré partout, tu as tiré... l'autre là s'appelle, c'est qui justement votre président, c'est qui encore? Macron? Mais tu as tiré Macron. Dieu, Macron, Macron a rien fait. Le chef de l'église, on tape les chaises. Les chaises nous ont rien fait. Mais il y a des sorciers qui doivent. Les 10 balles que Dieu t'a donné aujourd'hui, tu les tous les 10, tu les mets sur sa tête et ça termine. Boum, 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 boum. Il t'appelle et il dit, oh, tu vois les histoires qu'on faisait là, on ne savait pas. Pardonne-nous. Amen. Et par le feu du Saint-Esprit. C'est possible. C'est possible qu'à un moment tu étais par terre, après une prière, tu deviens en haut. C'est possible. Un moment, tu étais en prison bizarre, des chaînes bizarres, des prisons bizarres. Le moment que tu es libre et tu sors. Amen. Parce que il n'y a rien de plus puissant sur la terre que le Saint-Esprit. Amen. Mais parce que si on n'utilise pas bien le Saint-Esprit, si on n'utilise pas bien l'onction, la puissance, l'autorité que Christ a mis en nous, on va partir à gauche et à droite. On va essayer, aujourd'hui on essaie ça, ça ne marche pas, on essaie ça, ça ne marche pas. Mais les choses normalement, c'est en train de marcher, parce que tu ne t'es pas mis debout pour tirer comme il faut à la chose qu'il faut. L'influence des magiciens s'est produit, c'est simplement comme les magiciens font leur magie. C'est comme ça, ça s'est fait dans le monde spirituel. Il met quelque chose devant toi pendant qu'il n'y a rien. Il te montre comment ça tourne pendant que ça ne tourne pas. Il te montre qu'il y avait la pigeon, histoire. Et puis, cette pigeon, bien la pigeon. Le pigeon, ouais. Il te montre le pigeon qui était debout. Ils font pom, 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 le pigeon n'est plus là. Et tu regardes, tu penses que c'était vrai. Rien. Illusion. Il n'y a rien. Mais là, les gens acclament après. Les gens acclament après. Après, il y a les gens qui pleurent. Ils disent que, oh, on l'a mangé par les sorciers de la famille. Même un petit enfant aurait pu stopper ça. Même un bébé. Et le pire, c'est quand on parle, on dit que, oh, c'est Dieu qui l'a pris. Et Dieu regarde que je n'ai pas pris. Dieu regarde. Parce que des fois, on fait ça. L'ennemi a son champ pour tirer. Et parce que l'ennemi pouvait tirer, quand Dieu a créé l'homme, Dieu n'est pas descendu sur terre avec Adam pour le tenir à la main. Oh, mon Adam, je te tiens à la main parce qu'il y a un mauvais serpent dans le monde. Non. Dieu a donné la vie à Adam. Il lui a dit, tu vas dominer. Dieu est remonté en haut. Dieu descendait seulement le soir pour parler. Il parle, puis il remonte encore. Il l'a laissé sur la terre avec l'onction, la puissance, l'autorité pour gouverner. Alors, parce que l'homme et la femme se sont amusés à faire autre chose, ils ont voulu faire les débats avec les serpents, cela est arrivé. Ce n'était pas Dieu qui est venu tuer Caïn. Non, Abel, je voulais dire. Non, c'est eux-mêmes qui se sont tués. Et alors, tu as l'autorité de tuer, tu as aussi l'autorité de guérir. Alors, un petit enfant, un bébé spirituel, peut stopper la marche de 1000 démons. 1000 démons sont là qui veulent manger quelqu'un. Un bébé spirituel peut les détruire. Amen. Un bébé spirituel peut stopper les mouvements des sorciers. Amen. Ils peuvent se mettre là qui veulent manger cette personne, tuer la personne avec la sorcellerie. Mais un bébé spirituel, oh mon Dieu, délivre au nom de Jésus. Lève-toi, notre Dieu. Que ton feu fasse quelque chose. Boum, et le feu sort et fait quelque chose. Amen. Dieu répond à toutes les prières qu'on fait. Amen. Tellement qu'on prie pour l'océan. Tu es là, tu dis, oh mon Dieu, délivre l'océan. C'est pourquoi tu vas être là, tu dis, ah, ta prière n'a pas marché. Oh Dieu, donne la pluie. Et ta pluie que Dieu donne, elle est en train de tomber sur l'océan. Et tu regardes l'océan ne bouge pas. Et tu risques de dire que Dieu ne m'a pas répondu. Pendant que Dieu a fait tomber la pluie. C'est pourquoi ça devient un travail de tirer comme il faut, de prier comme il faut, de canaliser toute prière que tu fais. Ça devient important de devenir sérieux dans la prière. Ça devient important. Tu es sérieux dans la prière. Tu vois comme on a le programme de l'église là. Je vous montre ceux qui n'ont jamais vu ça. Donc ça va, boum, 10h à 11h, 10h à 10h05, 10h05 à 10h50. 10h50 à 11h05, 11h05 à 11h10,
programmé, calculé. Donc ça, ça me parle. Donc si je me mets ici et puis je ne fais pas ça, donc ça veut dire que je ne je sais pas lire. Ça veut dire que je ne suis pas en train de réfléchir. Je suis en train de faire au hasard. Alors, ça devient un requérement de Dieu. Dieu veut que tu sois intelligent même pendant que tu pries. Dieu veut qu'on soit intelligent quand on est chrétien. Dieu le veut aussi. Oui, quand j'ai vu, avant que je devienne chrétien, quand je voyais les chrétiens, je pensais que quand tu viens chez Dieu, tu prends ton cerveau, tu laisses quelque part, tu viens chez Dieu. Et beaucoup de gens ont fait ça. Maintenant, je suis chrétien. Toutes les choses là, les choses du cerveau là, je ne veux pas. Je suis seulement chrétien. Faux. Tu as besoin de ton cerveau, même quand tu es chrétien. Alors, si j'ai besoin de mon cerveau pendant que je suis chrétien, j'ai besoin de mon cerveau pendant que je suis en train de prier. Amen. J'utilise mon cerveau pour faire une prière efficace. Amen. J'utilise mon cerveau pour que pendant que je suis en train de prier, je ne sois pas au hasard. Calculer. Et quand tu calcules ta prière, ça devient des missiles qui ne ratent pas. Amen. Ça devient une. Tu peux prier pendant 10 minutes, mais ça produit pour toi des résultats qui vont te faire rire pendant des mois. Amen. Tu pries pendant 10 minutes, mais tu commences à rire pendant un an. Amen. Une prière bien priée, une prière bien calculée, une des missiles là qui descendent là où ça doit descendre. Amen. L'ennemi, il a aussi ses cargos qui distribuent ces histoires bizarres tout autour. L'ennemi, ils ont besoin de voyager. Ça veut dire qu'ils ont besoin de l'essence. L'ennemi, ils ont besoin de manger. Ça veut dire qu'ils ont des réservoirs de la nourriture. Alors quand tu bombardes la nourriture de l'ennemi, il commence à pleurer. Tu peux faire pleurer tous les sorciers de ta famille, spécialement les chefs des sorciers. Donc tu laisses tous les petits sorciers tranquilles. Tu fais seulement pleurer les chefs de la famille. Le chef des sorciers de ta famille. Tu le fais pleurer lui. Tu laisses tous les petits sorciers. Parce que les petits sorciers vont voir leur chef en train de pleurer. Ils disent, mais ça c'est bizarre. Ça c'est bizarre. Le chef des sorciers. Même, c'est, et puis c'est pas une des familles. La même prière que tu fais pour tous les petits sorciers qui te donnent mal à la tête, c'est la même prière que tu peux faire pour sur le chef des sorciers. Et il n'y a pas de réunion. Je le sois béni par les noms puissants de Jésus. Vous êtes allés les suivre. Tu peux le faire pleurer lui, alors et puis il les teste. Aujourd'hui, il n'y a pas de réunion. Amen. Il n'y a pas de réunion. Et il n'y a pas de réunion. La semaine prochaine, il y a des sociétés qui sont partis voir un pasteur. Ils sont venus chez lui. On veut voir votre pasteur. Non. Et les enfants du pasteur, comme les enfants du pasteur n'aiment pas toujours qu'on voit leur pasteur. Non, vous n'allez pas voir. Et si on ne voit pas le pasteur, on va brûler l'église aujourd'hui. On va voir le pasteur. Oh, le pasteur attendait qu'ils vont brûler. Qu'ils décédaient après. Laissez l'attention. Les trois hommes là sont venus là. Ils sont venus, ils ont dit, pasteur, il y a l'un des enfants qui loue une maison là. Parmi eux, il y avait quelqu'un là. Il y a l'un des enfants qui loue ma maison là. On est venu te donner son argent pour que tu lui dis de sortir de la maison là. Bon, pourquoi? Il dit que non. Nous, la femme, ma femme, elle est malade à l'hôpital. Ça fait c'est 3 semaines, je crois. Qu'elle n'est pas plus au réunion des sorciers. Alors on l'a puni. Hein? Les pasteurs disent que quoi? Qui parle de quoi? Tu dis que vous êtes des sorciers. Oui, nous sommes des sorciers. On te dit que nous sommes des sorciers. Ton enfant là, à minuit, il fait des prières là bizarres. Ma femme ne peut plus sortir pour voler, aller faire la sorcellerie. C'est pourquoi on l'a puni. On est venu te donner de l'argent pour que tu lui donnes, il sort de la maison. Pourquoi? Parce que le frère, vraiment, à minuit, il se mettait dans la maison prier. Alors, comme il partageait l'endroit, le feu était partout. Le feu était partout. Les sorciers ne pouvaient pas sortir pour aller faire la sorcellerie. Amen. Tu peux stopper tout le vol des sorciers. Amen. Les reports des sorciers de ta famille. Amen. Tu envoies le feu sur ça. Amen. Les reports des sorciers de ma famille commencent à brûler. Amen. Toi, les reports des sorciers de ma famille commencent à brûler. Amen. Et ça brûle là, il n'y a plus de sens, il n'y a plus de avions. Tu peux vivre pendant 6 mois où on ne t'attaque pas. Amen. 6 mois vraiment là. On peut dire, oh, où sont ces sorciers? C'est la Bible. La Bible dit que vous allez chercher vos ennemis, vous n'allez pas les trouver. Amen. Un jour, tu te réveilles, toi, attends. Comment ça fait que toutes les choses, ça marche dans ma vie? Parce que tes ennemis sont en train de pleurer. Amen. Tu peux le faire pleurer. Donc, si tu as pleuré pendant 10 ans. Amen. Tu peux tourner pour que eux aussi commencent à pleurer. Amen. Avec l'onction de Dieu, tu peux dire au nom puissant de Jésus, Amen. Moi, chef des sorciers de ma famille, commence à pleurer. Amen.
Amen. Comment tu envoies un commandement. Oui. Et les anges, parce que nous avons les anges. Et les anges sont là. Ils attendent que tu parles. Oui. Alors si tu dis, oh ange de Dieu, va là-bas, va regarder comment c'est le prix des choses au carrefour. Il va partir, il va regarder le prix des choses au carrefour, il va revenir. Et puis il dit, ah, les choses au carrefour ont augmenté. Hein? Oui. L'ange a amené les prix, ça a augmenté. C'est ça, c'était ça ta prière. Mais quand tu lui donnes un bon travail, il va faire un bon travail. Amen. C'est ce que la Bible dit. Il y a un enfant, il était enfant du prophète. Il était là, il s'est réveillé, il a vu les ennemis, il a commencé à pleurer. Il est parti vous dire, le prophète, prophète, nous sommes morts. Le prophète devait dire, Dieu, ouvre ses yeux. Et quand ses yeux étaient ouverts, maintenant il a vu le nombre des anges. Maintenant, tu peux avoir le nombre des anges. Si tu vois les ennemis et ta prière n'est pas bonne, tu vas pleurer. Pendant qu'il y a des anges, pendant qu'il y a des anges avec les épées, c'est pas seulement les anges qui viennent là tranquille en congé, non. Les anges avec les épées. Une épée qui sort comme l'épée rayon laser. Une épée là avec le feu. Un ange peut sortir d'ici, tourner la terre pendant 7 fois, une seconde, la vitesse de la lumière. Donc, l'ange peut sortir d'ici et régler tous tes problèmes et revenir. Avant que tu puisses respirer encore une fois, la puissance de Dieu. Amen. Et c'est une puissance que Dieu a déposée en nous. Amen. Tu peux faire une prière et une prière règle ta vie. Amen. Et à partir de demain, tu commences à prier pour les autres. Amen. Jésus priait chaque jour, mais il ne priait pas pour lui. Jésus chassait les démons chaque jour. Il ne chassait pas les démons sur lui. Alors, les jours quand Marie et le frère de Jésus étaient venus le prendre, si Jésus était fatigué, elle dit, oui, maman, je viens. Il allait laisser des malades. Il part avec sa maman prendre le déjeuner chez lui. Alors, avec ça, tu peux prier. Alors, il était en train de prier avec eux pour qu'ils puissent prier demain. Prier pour que je puisse prier pour les autres. Prier, c'est ce qu'il a dit à Pierre. Quand tu auras la force, donne la force aux autres. Prier, c'est pourquoi tu peux prier une fois, tes problèmes terminent. C'est pas que oh, mes problèmes sont terminés, à partir d'aujourd'hui, je ne prie pas. Non. Bien qu'à prier, mes problèmes sont terminés, je commence à prier pour les autres. Je ne viens plus à l'église et oh, pasteur, prêche-moi, touche-moi, bénis-moi. Non, non, non. Je viens à l'église. Pendant que le pasteur prie pour les autres, je prie avec lui. Amen. Vous allez le suivre. Amen. Une fois seulement, la femme qui avait l'histoire de sang, elle était venue à l'église une fois. Pas pendant beaucoup de minutes. Elle est venue, elle a touché l'église et rentrée à la maison. Jésus l'a stoppée pour qu'elle nous donne à nous les témoignages. Jésus-Christ n'avait pas besoin de dire, oh, qui m'a touché, oui, raconte. Jésus n'avait pas besoin de ça. Il a touché, stoppé la femme pour qu'elle puisse nous parler, à dire, ah, nous aussi, maintenant, on puisse savoir qu'est-ce qui se passe dans ta vie une fois quand tu touches le roi. Amen. Tu peux faire une prière et elle règle toute ta vie. Amen. Et la prière que tu vas faire la semaine prochaine, c'est pas pour les autres. Je prie pour le reste de ma famille. Je prie pour les gens de ma famille, mes frères, mes soeurs. Tu termines avec tes frères et tes soeurs, tu commences à prier avec, pour même tes cousins et cousines que tu n'aimes pas. Ton oncle te déteste, tellement que tu n'as plus de choses pour sérieux pour toi-même. Maintenant, quand j'ai des histoires sérieuses pour moi-même, tu crois que je vais prier pour toi? On les fait, non? N'est-ce pas, on les fait, non? Nous-mêmes, tes propres histoires, Brunda, Yenge, Randa, tu les gardes 2 heures. Et pour le oh Seigneur, bénis ma famille, bénis l'église, bénis mon pasteur, puis tu dors. Tu as passé 2 heures pour prier pour toi-même. C'est pourquoi Dieu veut que il veut te répondre rapidement. Les histoires de réponse rapide, ce n'est pas une prophétie qu'on invente aujourd'hui. Non, c'est Dieu. Dieu veut te répondre rapidement afin que tu puisses sortir des rois, bénir quelqu'un d'autre. Amen. Alors si tu es encore, Dieu bénis-moi, Dieu délivre-moi, Dieu sauve-moi, ça sera difficile. Si j'avais mal à la tête, vous croyez que j'allais venir ici prêcher aujourd'hui? Non, j'avais, oh bishop, oui, oh, mais, oh, je ne peux pas venir. C'est tout. Je reste à la maison, je suis malade, moi aussi je suis malade, je reste. Mais la puissance de Dieu, elle vient d'abord pour mon cerveau, pour que je devienne une bénédiction pour quelqu'un. Amen. Alors, quand tu te mets dans cette position-là, le chose doit arriver rapidement. Amen. Parce qu'on est en mission. On est en mission et on est déjà en retard de la mission. Amen.
comme d'abord nous, nos vies personnelles, et comme nos vies de l'église, et comme nos vies de l'église générale chrétienne dans le monde. Nous sommes déjà en retard. Et l'histoire doit terminer, Dieu dit, si je termine aujourd'hui, il y a beaucoup qui vont rester. Alors il dit que bon, on va encore rester. C'est pourquoi la prolongation est en train d'arriver. Parce qu'on est loin, on est en retard de ce qu'on doit faire. Alors c'est pourquoi tu vas te mettre debout pour prier. On va prier. Tu es en train de prier aujourd'hui. Tu peux me dire, oh homme de Dieu, moi j'ai déjà terminé pour les sorciers. Gloire à Dieu. Tu vas prier pour les sorciers qui continuent à déranger les gens de ta famille. Tu peux me dire, oh homme de Dieu, dans ma famille il n'y a plus de sorciers. Tu peux prier pour tous les sorciers qui dérangent ton avenue, tous les sorciers qui dérangent l'église, tous les sorciers qui dérangent les gens que tu connais. Tu peux prier pour eux. Alors, il y a aussi un moment pour prier. Alors, tu vas prier.